Voici plein d'espèces d'araignées que je trouve cool. Déjà, il y a les araignées épineuses qui ont tout un super design. Ma, quel style. Allez, juste une dernière. Ok, maintenant ça, c'est l'araignée Bola. Elle confectionne un fil de soie au bout duquel se trouve une boule très collante et elle l'agite pour attraper des papillons de nuit. Elle les attire en imitant les phéromones de papillons femelles. Les mâles vont alors se faire très beaux avant de se rendre au pire date de leur vie. En journée, elles se déguisent en fientes d'oiseaux pour éviter les prédateurs. Elles s'entourent même de petits bouts de toile pour imiter des éclaboussures. Les araignées peuvent être de super cosplayeuses. Par exemple, il y a celle-ci qui imite une feuille et celle-là qui imite une radis. Puis il y a les araignées crabes qui imitent des fleurs pour attirer et manger des pollinisateurs. Elles peuvent même changer de couleur pour adopter celle de la plante sur laquelle elles se trouvent. Les araignées peuvent aussi imiter des animaux. Par exemple, il y a celle-là qui se déguise en coccinelle car elles ont un goût très amer et les prédateurs évitent généralement de les manger. Ensuite, il y a elle qui imite une fourmi et relève même ses pattes avant pour faire comme des antennes. Elle aime s'infiltrer dans des fourmilières pour manger quelques collègues. Enfin, ça c'est l'araignée pélican, elle se nourrit uniquement d'autres araignées. Elle les attire en agitant leur toile pour leur faire croire qu'elles ont capturé une proie. Son long cou et ses très longs hélicères servent à les attraper tout en restant hors d'atteinte.